encore une fois élever ta cabote, car tu es le roi de gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Avec mes frères, mes sœurs, nous venons te dire, ô roi majestueux, tu es digne de gloire. Alléluia. Nous désirons ta gloire, Kabote. Qu'elle nous remplisse et qu'elle nous imprègne. Ah, nous désirons de tout cœur cette Kabote. L'ombre de ta gloire, ô Dieu. Nous désirons ta gloire, ô Dieu. Nous désirons ta gloire, ô Dieu. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, nos cœurs assoiffés de toi, réunis devant ton trône, nous te désirons. Kabote, touche-nous, que ta gloire nous transporte dans ta présence, descends en ce lieu. Kabote, 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 nous te désirons dans ta gloire, descends en ce lieu. Touche-nous, change-nous, transforme-nous. Kabote, Kabote. Nous désirons ta gloire, oh Yahweh, celle que la somme ne nous donne pas, celle que la chair ne nous donne pas. Oh, ta Kabote, le pouvoir du surnaturel. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce soir. Dites-moi si vous m'entendez. Est-ce que mon son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à Dieu.
Ok, merci Seigneur, soyez béni, soyez béni. Alors dis avec moi ce soir, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Amen. Tu es béni parce que tu es là, tu es béni parce que Dieu t'a accordé la grâce d'être là ce soir. Amen. Tu es béni parce que tu es compté parmi les vivants, tu es béni parce que le Saint-Esprit t'a donné la force et le zèle d'être connecté encore ce soir. Alors nous bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa grâce, pour sa grandeur, pour sa fidélité. Alléluia, nous bénissons notre Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est puissant, parce qu'il est merveilleux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant. Alléluia. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Merci parce que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, aimez la vidéo, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Nous allons commencer tout de suite. Je vais prier le Seigneur. Amen, je vais prier le Seigneur et nous commençons notre programme ce soir. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Seigneur, ô Dieu de gloire, reçois la gloire, reçois la louange. Reçois la magnificence, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence. Merci, Père, de nous attirer encore à toi ce soir. Prends le contrôle de ce temps de prière et que le sang de Jésus puisse couvrir toutes choses. Que le sang de Jésus soit au contrôle de ce temps de prière. Que le sang de Jésus puisse encore couvrir chaque personne. Seigneur, je viens détruire le sommeil. Je viens détruire la lourdeur. Je viens détruire la fatigue qui ne vient pas de toi. Je viens détruire toutes les armes sataniques et démoniaques qui pourraient empêcher, Seigneur, tes enfants de prier. Et je viens mettre la force, le zèle, Seigneur. Je viens mettre le courage. Je viens mettre, Seigneur, ô Dieu, le zèle de la prière, l'enthousiasme de la prière dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit prenne la place maintenant et le contrôle. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Excusez-moi, je fais juste quelque chose ici. Gloire à Dieu. Voilà. Voilà. OK. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alors ce soir, nous voulons prier pour un sujet. Amen. Nous voulons prier pour que Goliath tombe. Amen. Goliath doit tomber dans ta vie au nom de Jésus. Goliath doit tomber dans ta famille au nom de Jésus. Tout Goliath qui essaye de contrôler ta vie, tout Goliath qui essaie de contrôler ta maison, il doit tomber dans le nom puissant de Jésus. Tout Goliath qui essaye de contrôler ta maison, ta vie, doit tomber au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela, écris avec moi, Goliath doit tomber, Goliath doit tomber. Il doit tomber ce soir, au nom puissant de Jésus. Voilà, partagez encore la vidéo. Si vous avez partagé, vous êtes béni. Si tu as partagé, tu es béni. Si tu as invité quelqu'un, tu es béni. Si tu as aimé la vidéo, tu es béni. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Goliath doit tomber dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans notre programme de la guerre de minuit. Amen. Nous sommes dans notre programme de combat spirituel. Et n'oublions pas, vaut mieux chasser Satan là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Amen. Je répète encore, vaut mieux chasser Satan là où il n'est pas
que de le laisser là où il est. C'est-à-dire, tu dois faire des prières de combat spirituel dans ta vie pour détruire les œuvres du diable, pour anéantir les œuvres du diable, pour détruire tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Il faut détruire, anéantir tout ce qui est des ténèbres au nom de Jésus. Donc, vaut mieux chasser Satan. Je répète encore, vaut mieux pour toi chasser, prendre autorité, détruire, envoyer le feu, décimer, cribler, anéantir, foudroyer Satan là où il n'est pas que de le laisser là où il est. Amen. Ça ne te coûte rien de prendre autorité. Et il faut savoir que toute autorité, toute prière d'autorité que tu fais maintenant, cette prière peut être curative ou préventive. Amen. Si elle n'est pas curative, c'est-à-dire si ce n'est pas une cure de maintenant, cette prière sera préventive parce que le jour où le diable se lèvera contre toi, alors la prière que tu as faite aujourd'hui va parler pour toi. La prière que tu as faite aujourd'hui va parler pour toi. Elle va détruire les œuvres du diable. Tout esprit qui voudra se lever contre toi, se dresser contre toi, bien-aimé, la prière que tu auras faite ce soir va donner des résultats, va parler pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous avons compris qu'il est important de prendre autorité et de ne pas regarder toute chose comme normale. Il est important de ne pas considérer tout ce qui nous arrive comme normal. Il y a des choses qui peuvent paraître normales, mais qui ne sont pas. Amen. Qui ne sont pas normaux. Il y a des choses qui peuvent paraître normaux ou normales et ce n'est pas normal. Amen. Il faut prendre autorité. Dès que tu pries, tu vois que tu es libéré. Mais tant que tu ne pries pas, le problème est toujours là parce que c'est un problème spirituel. Des fois, bien aimé, les problèmes spirituels s'apparentent à des problèmes normaux. Des fois, les problèmes spirituels, bien aimé, on peut croire que c'est un problème normal. Amen. Tu vas croire que ce qui t'arrive, c'est quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, c'est quelque chose que d'autres personnes vivent. Ce n'est rien de spécial, ce n'est rien de grave, ce n'est rien de contradictoire, c'est la vie. Or, il y a un démon, il y a un esprit qui est caché derrière. Et pour que tu puisses te sortir de ce problème, il faut prendre autorité, il faut détruire le diable, il faut chasser Satan, il faut utiliser l'autorité que le Seigneur Jésus nous a donnée. Alléluia. Et ici, nous voulons prendre autorité sur cet esprit de Goliath. Goliath est déjà mort du temps de David, mais aujourd'hui, bien-aimé, l'esprit de Goliath agit encore. L'esprit de Goliath agit encore dans les familles, dans les vies, dans les destinées. L'esprit de Goliath agit encore. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement dans 1 Samuel. Je vais aller dans 1 Samuel, alléluia. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 à partir du verset 43. Voilà, on va aller directement. Nous connaissons l'histoire de Goliath, de David et Goliath. Amen. Je vais commencer au verset 42, 1 Samuel 17, je commence au verset 42. La Bible déclare, « Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. » 43, le Philistin regarda, plutôt 43, excusez-moi, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, vous voyez, Goliath avait maudit David par ses dieux. Donc le combat de Goliath était non pas seulement un combat physique, mais c'était un combat spirituel aussi. Lisez bien votre Bible, vous allez voir, nous sommes dans 1 Samuel 17, je suis au verset 43 maintenant. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit avec ses dieux, après l'avoir maudit avec ses dieux, c'était un combat physique, mais en réalité, c'était aussi un combat spirituel. Il y a des choses que tu peux penser dans ta vie. Oh là là, ça commence à ramer un peu, mon Dieu. My God. Voilà, je suis revenu. Est-ce que je suis revenu? Ok. Que Dieu nous fasse grâce. Waouh. Que Dieu nous fasse grâce, qu'on puisse au moins avoir cette session. Voilà. Je disais que il y a des choses que tu peux croire
Il y a des problèmes, il y a des situations que tu peux penser, c'est une situation normale, mais en réalité, c'est aussi un problème spirituel. Parce que Goliath avait, oh là là, Goliath avait maudit David par ses dieux. Le Philistin, la Bible déclare, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit avec ses dieux. Verset 44, il est écrit, il ajouta. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Vous voyez? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est pour cela, ce soir, tu dois marcher contre ce problème au nom de l'Éternel des armées. Ce soir, tu dois marcher contre cette situation au nom de l'Éternel des armées. Là où quelqu'un est parti faire des fétiches contre toi, là où la personne qui a intenté un procès contre toi est en train d'utiliser des féticheurs, est en train d'utiliser des esprits, est en train d'utiliser le monde spirituel. Toi, tu dois marcher contre lui. Tu dois marcher contre lui par le nom de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel. David a dit, verset 44, 1 Samuel 17, verset 44, il est écrit ceci. Il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Ça, c'est Goliath qui est en train de parler à David. Et 45, le verset 45, David dit aux Philistins, donc à Goliath, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia, tu dois marcher contre lui au nom de l'Éternel des armées. Eux, ils marchent contre toi, ils viennent contre toi, ils marchent contre toi avec des procès, ils marchent contre toi avec des faux témoins, ils marchent contre toi avec... Avec des juges, des avocats, ils marchent contre toi, avec des personnes qui font des faux témoignages pour que toi tu sois accusé. Mais toi, tu dois marcher contre eux au nom de l'Éternel. En d'autres termes, un enfant de Dieu doit marcher contre les circonstances, contre Goliath, contre tous les combats qui peuvent venir contre sa vie au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel. C'est pour cela que je dis ce soir, tout Goliath qui se dresse contre toi, tout Goliath qui vient contre toi pour que tu puisses tomber, tout Goliath qui veut détruire ta vie, tout Goliath, tout esprit de Goliath qui veut toucher au domaine de ta vie pour te finir, pour te mettre à terre, pour enlever tout ce que tu as ou tout ce qui te reste, que ce Goliath tombe au nom puissant de Jésus. Alléluia. David a dit au verset 46, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je t'abattrai et je te couperai la tête. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va livrer cette situation entre tes mains. Dieu va livrer tes adversaires entre tes mains. Dieu va livrer tout Goliath qui se lève contre toi entre tes mains. Dieu va livrer tout esprit qui se dresse contre ta vie, contre ta maison, entre tes mains. Dieu va livrer tout Goliath qui se dresse contre toi entre tes mains. Est-ce que tu le crois? David a déclaré. David a dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il a dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. David n'a pas pensé, David a déclaré. N'oubliez pas le message que j'ai prêché dimanche où j'ai dit il est très important de parler. Le Seigneur accorde beaucoup d'importance à ce que nous disons. C'est pour cela que Jésus a dit qui êtes-vous? Qui dites-vous que je suis? Et vous? Qui dites-vous? Ta parole est très importante. Ce que tu dis, ici David a parlé. David a dit aujourd'hui, même pas demain. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Tu dois croire qu'aujourd'hui, Dieu va livrer ce Goliath qui dérange ta vie entre tes mains. Tu dois croire qu'aujourd'hui, Dieu va livrer cette maladie entre tes mains et tu vas la détruire. Alléluia. Tu dois croire qu'aujourd'hui, Dieu va livrer tout rassemblement des ténèbres, tout ceux qui se dressent contre toi, tout Goliath qui se lève contre toi, tout Goliath qui est en train de mettre des blocages dans ta vie, tout Goliath qui est en train de résister à ta vie, Dieu va le livrer entre tes mains. Alléluia, Dieu va le livrer. Dieu va le livrer. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Et David dit encore, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, ceux qui combattent ta vie vont savoir que tu as un Dieu.
Ceux qui combattent ta vie vont savoir que tu as un Dieu. David a dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oh, je déclare que tous ceux qui sont contre toi puissent savoir que tu as un Dieu. Oh, je déclare que tous ceux qui combattent ta vie puissent savoir que tu as un Dieu. Oh, je déclare que tous ceux qui se dressent contre ta santé puissent savoir que tu as un Dieu. Je déclare que tous les sorciers de ta famille doivent savoir que tu as un Dieu. Tous ceux qui prennent les gens chaque année, qui prennent une personne, tous les deux ans qui prennent deux personnes, ils doivent savoir que toi tu as un Dieu. Ils doivent savoir que tu as un Dieu. Alléluia. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et dans les combats, bien-aimé, quand tu te retrouves devant un combat spirituel, Dieu est dans la joie parce que c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il est ton Dieu. Alléluia. Oh, je prie et je déclare que Dieu puisse se manifester dans ton problème et que tous ceux qui connaissent ton problème, tous ceux qui regardent, qui te regardent de loin et qui murmurent, tous ceux qui regardent de loin ta vie et hochent la tête, tous ceux qui regardent de loin ta vie et disent que rien de bon ne sortira de toi, comme on a parlé pour Bethléem, peut-il venir quelque chose de bon de Bethléem? Tous ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire pour toi, que rien de bon ne peut sortir de toi, puissent dire qu'il y a un Dieu dans ta vie. Alléluia. Que tu as un Dieu, qu'il puisse dire que ton Dieu est vivant, qu'il puisse dire que ton Dieu est fidèle, qu'il puisse dire que tu pries un Dieu vivant. Goliath doit tomber. N'oubliez pas, Goliath, le Goliath physique est déjà mort, mais l'esprit de Goliath agit encore jusqu'à aujourd'hui. N'oubliez pas cela. Jézabel physique est déjà morte. Amen. Mais l'esprit de Jézabel agit encore aujourd'hui. Alléluia. L'esprit de Jézabel agit encore aujourd'hui. Balaam est déjà mort. Balaam est déjà mort, mais l'esprit de Balaam des prophètes cupides agit encore aujourd'hui. Hérode est déjà mort, mais l'esprit d'Hérode agit encore aujourd'hui. Il faut savoir qu'une personne peut mourir, mais son esprit peut continuer à se manifester. Ses manières peuvent continuer à se manifester. C'est pour cela, des fois, vous allez voir dans une famille, un grand-père est déjà décédé, mais bizarrement, son petit-fils est en train de manifester, on dirait, les mêmes choses, les mêmes caractères que son grand-père. On peut commencer à dire, ah, lui, il n'aime pas la tchéquée comme le grand-père. Le grand-père aussi était comme ça. Lui, sa manière de dormir, il dort exactement comme dormait le grand-père. Il aime vraiment les mêmes positions. Il aime les mêmes choses. Il est comme son grand-père. Il est comme son père. La personne n'est plus, mais l'esprit de cette personne, ce que cette personne aimait, ce que cette personne est, continue encore à agir. C'est pour cela que je dis, Goliath est déjà mort, mais son esprit agit encore aujourd'hui. L'esprit de Goliath agit encore aujourd'hui. C'est pour cela que tu dois te revêtir de l'esprit de David. Amen. Un enfant de Dieu doit être davidique. Un enfant de Dieu doit se revêtir de l'esprit de David. David avait plusieurs dimensions. David était adorateur. David était roi. David était prophète. Et David était guerrier. Alléluia. Il était guerrier, il était prophète, il était roi, il était adorateur. Il avait toutes ces dimensions. Alors tu dois te revêtir de l'esprit de David, l'esprit de combat. L'esprit de combat. Au nom de l'Éternel, Goliath était tombé. C'est pour cela ce soir, nous voulons prier et détruire tout esprit de Goliath qui dérange ta vie. Un esprit de Goliath est un esprit géant. Amen. Un esprit géant. Quand vous voyez que une situation ne se décante pas très vite. Quand vous voyez qu'il y a un blocage qui dure quand même depuis un moment, parce que la Bible dit que Goliath terrorisait les enfants d'Israël. Avant que David n'arrive, ils étaient terrorisés. Ils avaient peur. Ils étaient apeurés. Ils étaient vraiment terrorisés. Ils faisaient trembler le camp d'Israël. Tellement il était géant, tellement il était grand, ils avaient peur de lui. Mais quand David est arrivé, David était tout petit, mais David a ramené un Dieu grand. Goliath pouvait être géant, mais David a ramené un Dieu grand et puissant. Alléluia. Le Dieu de David était un Dieu géant, plus géant que Goliath. Goliath pouvait faire 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres, mais le Dieu de David était un Dieu qui était plus grand encore que Goliath. Alléluia. C'est pour cela qu'il doit tomber aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Il doit tomber aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous voulons prier. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors s'il vous plaît, avant de continuer, aimez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir voir cette vidéo comme je commençais un peu tard. Permettez à quelqu'un de pouvoir recevoir la notification ce soir, soit un sycomore, soit quelqu'un qui va évangéliser en aimant tout simplement la vidéo. Et l'algorithme de YouTube va envoyer
à quelqu'un pour lui dire, attention, la prière a déjà commencé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire merci à ton Dieu cette nuit. Amen. Tu vas dire, tendre Père, je te bénis ce soir. Merci pour le souffle de vie que tu m'as encore accordé ce jour. Merci de m'avoir protégé durant la journée. Moi, mes enfants, ma maison, ma famille, mon époux, mon épouse, tout ce que je suis, Seigneur, je te dis merci. Je te remercie ce soir. Je refuse de dormir sans pour autant être reconnaissant pour tes bienfaits à mon égard, à l'égard de mon fils, à l'égard de mes enfants, à l'égard de mes fils, à l'égard de mes filles, à l'égard de ce que tu fais. Commence à prier le Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu ce soir. Nous disons merci à notre Dieu pour le souffle de vie. Il t'a encore accordé sa grâce ce soir. Oui, ce soir, tu es en vie. Ce soir encore, il t'a protégé. Il t'a protégé depuis le matin jusqu'à maintenant. Il a permis au bien-aimé que tu puisses encore être devant son trône, que tu puisses t'approcher devant son trône avec assurance ce soir. Commence à dire merci là où tu te trouves. Commence à dire merci là où tu te trouves. Père de gloire, je te remercie encore ce soir. Merci mon Père, merci mon Roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci mon Père pour ce que tu fais. Merci pour cette journée. Merci mon Père, ô Dieu de gloire, parce que tu m'as protégé. Tu as protégé mes enfants, Seigneur. Merci car ta parole a déclaré qu'on doit être compté parmi les vivants en cette journée. Alors nous te disons merci. Merci pour ton ange qui a campé autour de chacun de nous, Seigneur, depuis le matin jusqu'à maintenant. C'est pour cela que nous voulons annoncer à la nuit ce soir que tu es fidèle. Nous voulons annoncer à la nuit que tu es un Dieu fidèle. Nous voulons annoncer à la nuit que tu es un Dieu. Tu es un Dieu rempli de bonté et de compassion. Nous voulons annoncer à la nuit que tu es un Dieu excellent. Nous voulons annoncer à la nuit que tu es un Dieu ô glorieux. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence, ô l'Éternel des armées. Toi qui es fidèle, toi qui vis à jamais, toi qui règnes à jamais, toi qui es le Tout-Puissant, je viens te célébrer ce soir. Reçois la gloire et la louange, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore célébrer le Père ce soir. Cette nuit, tu vas encore le célébrer. Tu vas dire, tendre Père, je te célèbre encore en ce soir. Je te célèbre encore cette nuit parce que tu as été mon bouclier. Tu as été notre bouclier, Seigneur, à moi et mes enfants en cette journée. Merci parce que tu as été notre bouclier. Tu as été notre protecteur. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu as été, Seigneur, ô Dieu, notre haute retraite. Tu as été notre consolateur en cette journée. Tu as été notre force. Tu as été, Seigneur, ô Dieu de gloire, notre bouclier, notre force, notre protecteur. Alors je te célèbre, je te loue, je te magnifie encore. Commence à célébrer ton Dieu. Ne manque pas d'adorer le Seigneur. Ne manque pas des paroles pour l'adorer. Oh bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un à faire des prières d'adoration. Des fois, quand tu es dans ta chambre, commence juste à adorer Dieu. Commence juste à lui dire combien il est bon. Commence juste à lui dire combien il est excellent. Commence juste à lui dire combien il est glorieux. Ne manque pas de le louer et de le célébrer pour ce qu'il a fait. C'est pour cela que tu vas lui dire que merci Père parce que tu as été mon bouclier en cette journée. Oui, le bouclier qui t'a protégé. Le bouclier protecteur. Le bouclier protecteur de tes enfants. Le bouclier protecteur de ta famille. Le bouclier protecteur de ta maison, dans le nom puissant de Jésus. Je viens te célébrer, mon Père. Reçois la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Je te célèbre, je te loue, Seigneur, je te magnifie. Je veux proclamer, Seigneur, en cette nuit, ta majesté, Seigneur. Merci car en toi, je trouve la consolation. Merci car en toi, je trouve, Seigneur, ô Dieu de gloire, la grâce. Merci car en toi, je trouve la faveur. Merci car en toi, je trouve la vie. Merci car en toi, je trouve la consolation. Merci car en toi, je trouve une oreille qui m'écoute. Merci car en toi, je trouve, Seigneur, la faveur. Oui, tu es disponible à m'écouter, Seigneur, tous les jours. Oui, l'homme peut être indisponible, mais toi, tu es toujours disponible. Oui, Seigneur, je peux appeler un homme sur la terre, mais l'homme peut être occupé. Le téléphone peut être occupé. La ligne peut être saturée, mais ta ligne n'est jamais saturée. Ton téléphone n'est jamais occupé. Ta ligne n'est jamais occupée. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Parce que tu es disponible. Disponible à ce que je puisse te chercher. C'est pour cela qu'il est écrit dans ta parole, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque
invoquez-le tandis qu'il est prêt. Je peux chercher le secours de l'homme, mais le secours de l'homme n'est que vanité. Je peux chercher le secours de l'homme, le téléphone peut sonner occupé. Je peux chercher le secours de l'homme, la personne peut refuser mon appel. Je peux chercher le secours de l'homme, mon téléphone peut s'éteindre faute de batterie. Mais toi, Seigneur, il n'y a pas besoin de batterie. Il y a juste besoin de me connecter à toi, Seigneur. Ta ligne n'est jamais occupée. C'est pour cela que je te célèbre. C'est pour cela que je te bénis, mon Dieu. C'est pour cela que je t'exalte ce soir. Reçois la gloire et la louange dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas encore demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon ce soir. Pardonne-moi tout péché que j'ai commis et qui a ouvert la porte à un Goliath dans ma vie. Bien-aimé, il y a des choses, il y a des Goliaths qui sont rentrés dans nos vies parce que nous-mêmes, on a ouvert la porte. Il y a des Goliaths qui sont rentrés dans nos vies parce que nous avons ouvert la porte, parce que le péché a ouvert la porte. Nous voulons demander pardon au Seigneur pour tous les péchés connus et inconnus, pour tout péché que nous avons commis en cette journée et aussi pour tout péché qui a permis à un Goliath de contrôler un domaine de nos vies. Commence à prier, commence à prier. Il y a des personnes bien-aimées, à cause de l'avortement, ils ont permis à un Goliath de contrôler leur conception, de contrôler leur maternité, de contrôler leur grossesse. Il y a des personnes, à cause du péché, ils ont permis à un Goliath de s'installer dans un domaine de leur vie. Commence à demander pardon. Il est disponible, il est là. Commence à demander pardon. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, oh Seigneur, je viens encore devant toi ce soir te demander pardon. Je reconnais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Et je reconnais, Seigneur, que le péché ne me fait pas évoluer, mais le péché, Seigneur, me fait stagner et me ramène en arrière. Oui, Seigneur, il est écrit dans ta parole, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver qui que ce soit, ni son oreille trop dure pour entendre les prières, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Oui, Seigneur, je reconnais que le péché met une séparation entre moi et toi. C'est pour cela que je viens te demander pardon. Je reconnais ce soir que j'ai péché contre toi. Pardonne, Seigneur, tout péché que j'ai commis, tout péché connu et inconnu. Pardonne, Seigneur, ô Dieu de gloire, tout péché, Seigneur, oh, en cette journée, là où j'ai péché avec mes pensées, là où j'ai péché avec mes paroles, là où j'ai péché, Seigneur, avec mon regard, là où j'ai péché avec mes émotions, là où j'ai péché, Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, ô Dieu de gloire, toute bonne chose que j'aurais dû faire en cette journée, mais que je n'ai pas faite, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, toute bonne chose que j'aurais dû faire en cette journée, mais que je n'ai pas faite. Pardonne-moi, Seigneur, toute mauvaise chose que j'aurais dû rejeter, que je n'aurais pas dû faire en cette journée, mais que j'ai faite quand même. Seigneur, je viens te demander pardon en ce soir. Je viens te demander pardon cette nuit. Seigneur, pardonne-moi ce soir, oh Dieu, toute bonne parole que j'aurais pu dire à quelqu'un, mais que j'ai refusé de dire. Pardonne-moi, Seigneur, oh Dieu, toute mauvaise parole que je n'aurais pas dû dire, mais que j'ai dite quand même à une personne pour la blessé. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que ma vie ne doit pas être le péché. Je reconnais, Seigneur, que ma vie ne doit pas être le péché. Alors je te demande pardon. Pardonne-moi ce soir. Pardonne les péchés de mes enfants. Pardonne les péchés de ma maison. Pardonne les péchés de tous ceux qui habitent sous mon toit. Pardonne les péchés, Seigneur, oh Dieu, de toute personne qui habite sous mon toit, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Là où tu te trouves, bien-aimé, tu vas encore invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, Goliath va tomber à cause du sang de l'agneau. C'est pour cela que tu vas inviter le sang de Jésus à te sanctifier encore, à te purifier encore. Qu'il te purifie ce soir, qu'il purifie ta maison, qu'il purifie tes enfants. La Bible déclare que quand les enfants de Job allaient festoyer et qu'ils revenaient de la fête, Job sanctifiait ses enfants et dressait des autels pour que Dieu puisse préserver, pardonner ses enfants. Peut-être qu'ils avaient péché, ils demandaient pardon, ils les sanctifiaient et ils dressaient un autel pour ses enfants. Bien-aimé, commence à prier, demande le sang de Jésus, que le sang de Jésus te purifie dans le nom de Jésus et que le sang de Jésus puisse imposer
imposer le silence à toute accusation du diable. Au nom puissant de Jésus, commence à invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus ce soir, le sang de Jésus ce soir, le sang de Jésus cette nuit. Que le sang de Jésus puisse te couvrir. Que le sang de Jésus puisse te couvrir au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus puisse te couvrir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, j'invoque ton sang ce soir. Que ton sang précieux puisse me nettoyer. Que ton sang précieux puisse me laver. De la tête à la plante de mes pieds. Je veux être lavé. Je veux être nettoyé. Je veux être, oh, lavé, purifié au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ton sang puisse purifier ma maison ce soir. Que ton sang puisse purifier mes enfants ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que par la puissance de ton sang précieux, que toute caméra des ténèbres qui surveille ma vie, qui surveille mes faits et gestes, qui surveille tout ce que je fais dans ma maison, soit foudroyé et détruit au nom puissant de Jésus. Oh, je prie Seigneur cette nuit que ton sang précieux puisse rendre aveugle tout œil des ténèbres qui contrôle ma maison, qui contrôle mes enfants, qui cherche à contrôler ma vie, qui cherche à contrôler, à espionner tout ce qui se passe dans ma maison, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tout œil des ténèbres, par la puissance du sang de Jésus, soit frappé d'aveuglement. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute caméra des ténèbres soit frappée, soit détruite par la puissance du sang de Jésus. Que tout objet qui a été planté dans ma maison, tout objet qui a été planté dans les moindres recoins de ma maison, soit détruit maintenant par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que ton sang puisse nettoyer, puisse laver ma maison, puisse purifier ma maison. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car j'ai la victoire par la puissance de ton sang précieux. Merci Seigneur parce que j'ai la victoire par la puissance de ton sang précieux. Merci pour ton sang précieux. Ce soir, cette nuit, je viens plonger dans la piscine du sang de Jésus. Ce soir, cette nuit, je viens plonger tous mes enfants dans la piscine du sang de Jésus. Ce soir, cette nuit, je viens plonger mon époux, mon épouse dans la piscine du sang de Jésus. Oh, je viens cette nuit, ce soir, oui, nettoyer ma maison avec l'aspirateur du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, je mets le sang de Jésus dans toutes les pièces de ma maison. Je mets le sang de Jésus dans toutes les pièces de ma maison, dans la cour de ma maison, dans ma parcelle maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire que ton sang me donne. Merci pour la victoire que ton sang donne à ma maison. Merci pour la victoire que tu nous accordes ce soir par la puissance de ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, avant de rentrer dans le combat spirituel, alors tu vas appeler le Saint-Esprit. Oui, que le feu du Saint-Esprit puisse maintenant, oui, te couvrir. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du combat spirituel, te couvre maintenant comme un vêtement. Et que ce feu puisse être dans ta bouche, que ce feu puisse être dans tes mains, que ce feu puisse être dans tes pieds, au nom puissant de Jésus. Que ce feu remplisse ta bouche, que ce feu remplisse tes mains, que ce feu remplisse tes pieds, au nom puissant de Jésus. Que tes paroles soient des bombes de feu, que tes battements de mains soient des bombes de feu, que les pas que tu vas faire en priant soient des bombes de feu, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, demande au Saint-Esprit de te remplir de son feu ce soir. Demande au Saint-Esprit de te remplir de son feu ce soir. Que toutes les paroles que tu vas sortir dans ta bouche soient des bombes de feu qui vont détruire les œuvres du diable. Que ta langue soit remplie du feu qui va détruire la sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Que les battements de tes mains soient des bombes de feu dans le camp de l'adversaire, dans le nom puissant de Jésus. Que les pas que tu vas faire soient des coups d'épée dans le camp de l'adversaire au nom de Jésus, qui vont faire tomber Goliath ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et que Goliath tombe par la puissance du feu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, rends-moi maintenant flammable, rends-moi flammable maintenant, que je deviens du feu, que je deviens du feu, et que les œuvres des ténèbres soient anéanties ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, l'esprit de Goliath est aussi un esprit ancestral. Un Goliath peut être dans une famille. L'esprit de Goliath peut être dans une famille parce que les ancêtres avaient ouvert la porte pour que ce Goliath puisse continuer à terroriser les gens dans la famille, à terroriser les générations et les générations. Alors tu vas dire avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que chaque Goliath ancestral qui trouble ma vie, alléluia, que chaque Goliath ancestral, chaque Goliath venant de mes ancêtres, qui trouble ma vie, qui
trouble la vie de mes enfants, qui trouble ma destinée, soit brûlé par le feu maintenant au nom de Jésus. Qui soit brûlé par le feu maintenant au nom de Jésus. Qui soit brûlé par le feu maintenant. Bien-aimé, des fois le Goliath qui se dresse contre toi est un Goliath qui vient des arrière-grands-parents. Des fois le Goliath qui vient devant toi est un Goliath qui est en train de vouloir contrôler ta vie parce que les ancêtres ont ouvert la porte. Commence à le détruire ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, que tout Goliath, alléluia, que tout Goliath venant de mes ancêtres qui trouble ma vie soit brûlé par le feu ce soir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que tout Goliath ancestral, chaque Goliath ancestral qui trouble ma vie ou encore troublant ma vie soit brûlé par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Soit brûlé par le feu maintenant au nom de Jésus. Soit anéanti par le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout Goliath, chaque Goliath bien-aimé, venant de mes ancêtres, qui trouble ma vie, qui trouble ma maison, qui trouble mes enfants, qui trouble mon futur, qui trouble ma destinée, qui trouble mes projets, tombe maintenant, soit brûlé maintenant par le feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Commence à détruire le Goliath ancestral venant de tes grands-parents. Commence à détruire le Goliath ancestral qui vient de la maison de ton père et qui vient de la maison de ta mère, qui crie contre toi, qui veut bloquer ta route, qui ne veut pas que tu puisses avancer, qui puisse tomber par le feu ce soir, qui soit brûlé par le feu ce soir, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à le détruire. Commence à le détruire. Commence à l'anéantir. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout Goliath venant de tes ancêtres, tout Goliath venant de tes grands-parents, tout Goliath venant de tes arrière-grands-parents, qui se dresse contre toi, qui se dresse contre ta destinée, qui bloque ta destinée, qui ne veut pas que tu avances, soit détruit ce soir par le feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, qu'il tombe aujourd'hui, qu'il tombe aujourd'hui, qu'il tombe aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire: mon père, mon père, mon père, mon père, chaque Goliath empêchant la manifestation de tes bénédictions sur ma vie. Alléluia. Mon père, chaque Goliath empêchant la manifestation de tes bénédictions sur ma vie. Alléluia. Oh, qu'il tombe ce soir au nom de Jésus. Oh, qu'il soit détruit ce soir au nom de Jésus. Qu'il soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Je répète encore: mon père, que chaque Goliath qui empêche la manifestation de tes bénédictions sur ma vie, tombe encore, qu'il soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chaque Goliath empêchant la manifestation de tes bénédictions sur ma vie. Alléluia. Qu'il tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit détruit ce soir au nom de Jésus. Qu'il soit anéanti ce soir au nom de Jésus. Qu'il soit décapité ce soir au nom de Jésus. Commence à détruire, bien-aimé, tout Goliath, chaque Goliath qui empêche la manifestation des bénédictions de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'esprit de Goliath peut aussi se manifester dans le genre où, dès que tu veux avoir la bénédiction, cet esprit vient se dresser pour t'empêcher de toucher ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Alors que je me tiens à la porte de minuit. Mon père. Oh, que chaque Goliath empêchant la manifestation de tes bénédictions sur ma vie tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Que chaque Goliath empêchant la manifestation de ta bénédiction ou de tes bénédictions sur ma vie soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit anéanti ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit brisé ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit brûlé ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit décapité ce soir par la puissance de l'épée du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Commence à détruire ce Goliath. Ce Goliath qui empêche la manifestation des bénédictions de Dieu dans ta vie. Commence à détruire ce Goliath qui empêche la manifestation de tes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, que chaque Goliath qui empêche la manifestation de mes bénédictions soit décapité ce soir au nom de Jésus. Soit détruit par l'épée flamboyante du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Soit anéanti par l'épée
coupé flamboyant du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que chaque Goliath qui empêche mes bénédictions, qui empêche la manifestation de mes bénédictions, que chaque Goliath qui empêche la manifestation de mes grâces soit décapité ce soir, soit détruit ce soir par la puissance de Dieu, soit détruit ce soir par l'épée du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que chaque Goliath qui empêche la manifestation de ton mariage soit décapité ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque Goliath qui empêche la stabilité de ta vie financière soit détruit et décapité ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit brûlé par le feu ce soir au nom puissant de Jésus. Que chaque Goliath qui empêche la stabilité de ta vie, que chaque Goliath qui empêche la stabilité de tes finances, de ton travail, de tes enfants, de ton futur soit détruit ce soir par la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. 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 Au 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 nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas détruire ce soir. Tu vas détruire le Goliath des échecs. Tu vas détruire le Goliath des échecs. Alléluia. Chaque Goliath d'échec dans ma vie meurt ce soir au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath d'échec dans ma vie meurt ce soir dans le nom puissant de Jésus. Commence à détruire le Goliath des échecs. Le Goliath qui ramène des échecs dans ta vie. Qu'il soit détruit ce soir. Qu'il soit anéanti ce soir. Qu'il soit brisé ce soir. Qu'il soit décapité ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, commence à parler à ce Goliath. Toi Goliath des échecs dans ma vie, toi Goliath d'échecs dans ma vie, toi Goliath de maladie dans ma vie, toi Goliath des problèmes dans ma vie, toi Goliath qui amplifie les problèmes dans ma vie. Oh, je te commande ce soir, meurs ce soir au nom puissant de Jésus, meurs ce soir au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, détruis le Goliath qui ramène des échecs dans ta vie. Détruis le Goliath qui ramène des échecs dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. David avait tué Goliath. David avait fait tomber Goliath. Aujourd'hui, toi, tu as le vêtement de David. Aujourd'hui, tu as l'onction de David. Que Goliath puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Que Goliath puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chaque Goliath d'échec dans ma vie. Chaque Goliath qui ramène l'échec dans la vie de mes enfants. Chaque Goliath qui ramène l'échec dans mon mariage. Meurs maintenant au nom de Jésus. Sois détruit maintenant au nom de Jésus. Sois anéanti maintenant au nom puissant de Jésus. Sois brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Sois brisé maintenant au nom de Jésus. Chaque Goliath qui ramène des échecs dans ma vie, qui ramène des échecs dans mes projets, qui ramène des problèmes dans ma famille, qui ramène des incompréhensions entre mes enfants, soyez détruits ce soir. Tombe maintenant au nom de Jésus. Sois détruit ce soir au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom puissant de Jésus. 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 Tombe maintenant par la puissance et l'autorité du ciel. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant 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 de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, très cher Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, alléluia, que chaque Goliath de la maison de mon père et de ma mère, oh très cher Saint-Esprit, que chaque Goliath de la maison de mon père et de ma mère qui a été envoyé pour surveiller ma vie, qui a été envoyé pour surveiller ma vie, pour la détruire. Oh, je répète encore, très cher Saint-Esprit, que chaque Goliath qui a été envoyé pour surveiller, que chaque Goliath de la maison de mon père et de la maison de ma mère qui a été envoyé pour surveiller ma vie, pour la détruire, pour surveiller ma vie, pour la destruction. Oh, sois détruit par l'ange de la destruction au nom de Jésus. Sois détruit par l'ange de la destruction au nom de Jésus. Qu'il soit détruit par l'ange de la destruction, au nom puissant de Jésus. Que l'ange de la destruction de Dieu, l'ange de la destruction détruise tout Goliath qui a été envoyé contre toi. Tout
tout Goliath de la maison de ton père et de la maison de ta mère qui a été envoyé contre toi pour surveiller ta vie. Oh, qu'il soit détruit par l'ange de l'Éternel au nom de Jésus. Qu'il soit détruit par l'ange de la destruction au nom puissant de Jésus. Qu'il tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète ce soir que l'ange de la destruction puisse visiter ce Goliath ce soir. Je déclare et je décrète ce soir que l'ange de la destruction de Dieu puisse visiter ce Goliath, quel que soit là où il se cache, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que chaque Goliath de la maison de mon père qui a été envoyé pour surveiller ma vie, pour la détruire, soit détruit par l'ange de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus, soit détruit par l'ange de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus, que chaque Goliath de la maison de mon père, que chaque Goliath de la maison de ma mère qui a été envoyé pour surveiller ma vie, pour surveiller la vie de mes enfants, pour surveiller mes progrès, soit détruit cette nuit par l'ange de la destruction de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, par l'ange de la destruction, au nom de Jésus. Bien-aimé, que l'ange de la destruction visite le Goliath qui a été envoyé pour détruire ta vie. Que l'ange de la destruction visite le Goliath qui a été envoyé pour te détruire. Au nom puissant de Jésus. 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 Commence à le détruire. Dans le nom puissant de Jésus. Que l'ange de l'Éternel, l'ange de la destruction, visite ce Goliath. Détruise ce Goliath. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Goliath peut aussi se cacher dans ta santé. Le Goliath, une maladie qui ne part pas. Une maladie qui part, qui revient. Une maladie qui résiste. Une maladie qui complique. Une maladie qui ne finit pas. Oh, prends autorité. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de maladie dans ma vie. Chaque Goliath de maladie dans ma vie. Je te détruis cette nuit au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de maladie dans ma vie. Je te détruis cette nuit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va faire un exercice. Toi, tu peux dire aussi chaque Goliath du chômage dans ma vie. Si tu vois que tu ne trouves pas du travail, oh, détruis-le ce soir. Chaque Goliath de célibat chronique dans ma vie, je te détruis ce soir au nom puissant de Jésus. Je te détruis cette nuit au nom puissant de Jésus. Je t'anéantis cette nuit au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, commence à briser, commence à détruire au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de maladie dans ma vie, je te détruis ce soir au nom puissant de Jésus. Je te détruis cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'anéantis cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque Goliath de maladie dans ma vie soit détruit, soit anéanti, soit brisé cette nuit au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de chômage chronique dans ma vie, je te détruis cette nuit au nom de Jésus. Je t'anéantis cette nuit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de maladie dans mon corps, oh, soit détruit ce soir au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath qui emmène la stérilité dans ma vie, soit détruit ce soir par le feu, au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Oh, la Bible déclare, la Bible me dit, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Oui, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Alors, je te commande à toi ce soir, je te commande à toi, Goliath, de tomber ce soir, au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de maladie qui a été envoyé dans la vie de mes enfants, chaque Goliath de maladie qui a été envoyé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, oh, je te commande d'être foudroyé ce soir au nom puissant de Jésus. Sois détruit ce soir, sois anéanti ce soir, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas détruire le Goliath de Marie de nuit. Alléluia, le Goliath de Marie de nuit.
Amen. Chaque Goliath de mari de nuit, chaque Goliath de femme de nuit, chaque Goliath de sirène des eaux, chaque Goliath d'esprit des eaux, oh, qui a été envoyé pour troubler ma vie, qui a été envoyé pour bloquer ma vie, soit foudroyé ce soir par le feu de Dieu, soit foudroyé ce soir par le feu du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Chaque Goliath de mari de nuit, de femme de nuit, de sirène des eaux, des esprits des eaux, qui a été envoyé pour bloquer ma vie, qui a été envoyé pour envoûter ma vie, soit brûlé ce soir dans le nom de Jésus. Commence à détruire. Détruis le Goliath de mari de nuit. Alléluia. Détruis le Goliath de mari de nuit. Alléluia. Détruis ce Goliath. Ce Goliath qui est un mari de nuit. Chaque Goliath de mari de nuit. Chaque Goliath de femme de nuit qui a été envoyé pour bloquer ma vie, pour ramener des envoûtements, pour ramener des blocages, pour ramener des problèmes, soit foudroyé par le feu, soit détruit par le feu de Dieu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Soit anéanti par le feu de Dieu ce soir. Au nom puissant de Jésus, 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 soyez détruits ce soir, soyez détruits ce soir. Je déclare ce soir que tout Goliath d'esprit des eaux qui bloque ta vie, qui envoûte ta vie, qui dérange tes rêves, qui ramène des blocages dans tes rêves, qui ramène des envoûtements dans tes rêves, qu'il soit anéanti au nom de Jésus, qu'il soit brûlé au nom de Jésus, qu'il soit détruit ce soir au nom de Jésus, qu'il soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, 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 qu'il soit anéanti, qu'il soit détruit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. J'entends dans mon esprit un sujet de prière. J'entends dans mon esprit un sujet de prière. Alors je vous le donne maintenant. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus. Chaque Goliath qui récupère le travail de mes mains. Chaque Goliath qui récupère le travail de mes mains. Le fruit de mes mains. Chaque Goliath qui récupère tout ce que je récolte avec mes mains. Oh, sois foudroyé ce soir par le feu au nom de Jésus. Sois détruit ce soir par le feu au nom de Jésus. Que la pluie du feu du Saint-Esprit tombe sur toi au nom puissant de Jésus. Commence à dire que chaque Goliath qui récupère le fruit de ton travail, qui récupère le fruit de tes mains, qui récupère le fruit de tes efforts, qui récupère, bien aimé, tout ce que tu travailles, qu'il puisse être détruit ce soir. Oui, à perdre son argent, ne pas voir son argent, c'est un esprit de Goliath. Oui, c'est un esprit de Goliath. Qu'il puisse être foudroyé ce soir, qu'il puisse être brûlé ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse être brûlé ce soir, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit anéant, qu'il soit détruit au nom puissant de Jésus. Que tout Goliath qui récupère le travail de tes mains, qui récupère le fruit de tes mains, qui récupère les récoltes de tes mains, qui récupère tes finances, qui récupère le fruit de tes efforts, qui récupère le fruit de ta sueur, qui récupère le fruit de ton inspiration, soit foudroyé ce soir par le feu dans le nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit localise maintenant que je prie tout Goliath qui récupère le fruit de ton travail, qui récupère les résultats de tes efforts, qui récupère les résultats de tout ce que tu peux avoir, qu'il tombe ce soir au nom puissant de Jésus, qu'il soit anéanti ce soir au nom de Jésus, qu'il soit brisé ce soir au nom de Jésus, qu'il soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ce soir que Goliath doit tomber. Je déclare ce soir que Goliath doit tomber dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que Goliath tombe ce soir, quelle que soit sa position, quel que soit son nom, quelle que soit sa cachette, quel que soit là où il se trouve, qu'il puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a reçu, Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Goliath. Alors, au nom de Jésus, que tout Goliath qui a été envoyé contre toi, quel que soit le domaine dans lequel il a été envoyé contre toi, puisse tomber dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il soit détruit à jamais dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare encore ce soir que chaque Goliath qui a été envoyé contre toi, oui, tombe ce soir au nom de Jésus, 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 tombe ce soir au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, au nom de Jésus.
Alléluia. Nous allons encore prier. J'entends encore un sujet de prière que le Saint-Esprit est en train de me donner. J'entends encore un sujet de prière. Nous allons le faire. Alléluia. Vous allez prier avec moi. Vous allez répéter après moi. Tu vas dire avec moi. Pluie. Alléluia. Pluie de pierres de feu. C'est ce que j'entends. Pluie de pierres de feu. Pluie de pierres de feu. Que la pluie de pierre. Amen. La pluie de pierre ou des pierres de feu. Pluie des pierres de feu. Localise tout Goliath qui agit dans ma vie. Localise tout Goliath qui travaille dans ma vie. Localise tout Goliath qui travaille dans tous les domaines de ma vie. Et qu'il soit détruit ce soir au nom puissant de Jésus. Qu'il soit anéanti ce soir. Bien-aimé, Goliath peut se cacher. L'esprit de Goliath peut se cacher dans n'importe quel domaine de ta vie. Alors appelle la pluie des pierres de feu. Alléluia. Pluie des pierres de feu. Localise tout Goliath qui agit dans ma vie. Et qu'il soit brûlé maintenant au nom puissant de Jésus. Et qu'il tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Et qu'il meure maintenant au nom puissant de Jésus. Que la pluie des pierres de feu tombe sur tout Goliath qui agit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que la pluie des pierres de feu tombe sur tout Goliath qui agit dans n'importe quel domaine de ta vie, dans le nom de Jésus. Que la pluie des pierres de feu descende et décime, détruise tout Goliath qui est caché dans n'importe quel domaine de ta vie. Là où tu trouves que c'est normal, là où tu dis que ce qui m'arrive est juste normal, il y a un Goliath qui est là-bas. Que la pluie des pierres de feu puisse te localiser afin qu'il soit brûlé, afin qu'il soit détruit, afin qu'il soit décimé, afin qu'il soit, alléluia, qui soit terrassé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la pluie des pierres de feu tombe maintenant sur tout Goliath qui agit dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la pluie des pierres de feu tombe maintenant sur tout Goliath qui est caché dans ton problème de couple. Au nom puissant de Jésus, que la pluie des pierres de feu tombe maintenant sur tout Goliath qui est caché dans ta maison, qui est caché dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, David a fait tomber Goliath avec une pierre. Oh, que la pluie des pierres de feu puisse tomber maintenant. Que la pluie des pierres de feu puisse tomber sur tout Goliath qui agit dans n'importe quel domaine de ta vie. Que la pluie des pierres de feu puisse tomber maintenant sur tout Goliath qui est caché. Tout Goliath qui est caché dans ta vie. Tout Goliath qui est caché dans ta destinée. Tout Goliath qui est caché dans ta situation. Tout Goliath qui est caché dans ta maison. Qu'il puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la pluie de pierre de feu puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber. Que la pluie de pierre de feu puisse tomber maintenant. Qu'elle tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tu ne la vois pas, mais elle est en train de tomber. Tu ne la vois pas, elle est en train de tomber. Elle est en train de détruire tous les sorciers qui cherchent à contrôler ta vie. Tous les sorciers qui cherchent à combattre ta vie. Toute main de voleur. Alléluia. Toute main de voleur qui essaie de voler tout ce qui t'appartient. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la pluie de pierre de feu puisse détruire tout esprit de Goliath. Tout Goliath qui bloque ton mariage. Tout Goliath qui bloque ton futur. Tout Goliath qui combat ton bien-être sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la pluie de pierre de feu tombe sur eux. Que la pluie de pierre de feu les détruise maintenant. Que la pluie de pierre de feu détruise tout Goliath qui est caché. Tout Goliath qui envoie des envoûtements contre toi. Tout Goliath qui combat ta vie dans les rêves, dans le physique, dans le spirituel, dans le sommeil, qu'il soit détruit ce soir dans le nom puissant de Jésus Christ. Dans le nom puissant de Jésus, que la pluie de pierre de feu tombe sur eux. Que la pluie de pierre de feu tombe en Côte d'Ivoire, dans ton village, là où on combat ta vie, là où on envoie des incantations contre toi. Que leur case soit brûlée, que leur case soit brûlée au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la pluie des pierres de feu tombe maintenant au Cameroun, là où on envoie des incantations contre toi. Tombe maintenant dans ton village au Cameroun, là où on parle mal de toi, là où on prépare des incantations contre toi, là où on envoie des esprits mystiques pour venir envoûter ta vie, pour déranger ta vie, pour ramener la maladie, là où on envoie des flèches contre toi. Que la pluie des pierres de feu détruise toute flèche de ténèbres qui a été envoyée contre toi. Que la pluie des pierres de feu localise au Congo, localise dans ta parcelle, là où les gens parlent mal de toi, dans le nom puissant de Jésus. Que la pluie des pierres de feu
feu puisse localiser dans le nom de Jésus la source, la parcelle dans laquelle est envoyée une malédiction contre toi, la parcelle dans laquelle la jalousie parle contre toi, la parcelle dans laquelle les mauvaises langues parlent contre toi, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti au nom puissant de Jésus. Que la pluie des pierres de feu puisse localiser la réunion des ténèbres, là où on fait une réunion contre ta famille, là où on fait une réunion contre tes enfants, là où on fait une réunion dans les ténèbres contre toi, là où on est autour de l'arbre, là où on est autour du feu, que la pluie des pierres de feu puisse les détruire comme Dieu avait détruit Sodome et Gomorre. Au nom puissant de Jésus, que Dieu puisse les détruire comme Dieu avait détruit Sodome et Gomorre, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait une pluie des pierres de feu, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait une pluie de pierres de feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, et qu'ils sachent que tu as un Dieu, et qu'ils sachent que tu as un Dieu, et qu'ils sachent que ton Dieu est vivant, et qu'ils sachent que ton Dieu a le dernier mot dans ta vie, et qu'ils sachent que tu as un Dieu puissant, un Dieu puissant, un Dieu vivant, un Dieu qui agit, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils sachent que tu as un Dieu, tu as un Dieu qui agit, tu as un Dieu qui se manifeste, tu as un Dieu qui est vivant, tu as un Dieu qui est puissant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, tu as un Dieu glorieux, tu as un Dieu puissant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Et pour terminer, tu vas dire, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, que l'armée des cieux, que l'armée des cieux fasse la guerre à tous les Goliath de ma vie au nom de Jésus. Que l'armée des cieux fasse la guerre à tous les Goliath de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'ils soient tous détruits ce soir. Et qu'ils soient tous détruits ce soir. Et qu'ils tombent tous ce soir. Dis encore avec moi, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, que l'armée des cieux fasse la guerre à tous les Goliath de ma vie, à tous les Goliath de ma famille, à tous les Goliath de ma maison, au nom puissant de Jésus. Comment s'appeler l'armée des cieux? Comment s'appeler l'armée des cieux? Comment s'appeler l'armée des cieux? Oui, l'armée des cieux est de ton côté. L'armée des cieux est de ton côté. Comment s'appeler l'armée des cieux? Jusqu'à ce que Goliath va reculer, jusqu'à ce que Goliath va tomber, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que l'armée des cieux puisse déshonorer tout Goliath qui se dresse contre toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que l'armée des cieux puisse faire tomber. Alléluia, fasse la guerre, fasse tomber tous les Goliaths de ta vie au nom puissant de Jésus. Mon Père, que l'armée des cieux fasse la guerre à tous les Goliaths de ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, que l'armée des cieux fasse la guerre à tout Goliath têtu de ma vie qui a juré de ne pas reculer, qui a juré de m'affronter, qui a juré de ne pas abandonner, que l'armée des cieux le fasse tomber au nom puissant de Jésus. Mon Père, que l'armée des cieux fasse la guerre à tout Goliath de ma vie au nom puissant de Jésus. 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 Mon Père, que l'armée des cieux fasse la guerre à tout Goliath de ma vie, à tout Goliath têtu, à chaque Goliath têtu de ma vie, à chaque Goliath têtu dans la vie de mes enfants, que l'armée des cieux leur fasse la guerre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que l'armée des cieux leur fasse la guerre au nom de Jésus. Que l'armée des cieux leur fasse la guerre au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'armée des cieux leur fasse la guerre au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'armée des cieux leur fasse la guerre dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la confusion dans le camp de l'adversaire. Merci pour la confusion. Pour la confusion dans leur camp. Merci pour la confusion, Seigneur, dans leur rassemblement. Merci pour la confusion, Seigneur, que tu envoies dans le camp de tous les Goliaths de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire, tendre Père, merci pour la victoire. Merci car tu n'échoues jamais. Merci car c'est toi qui as le dernier mot. Merci car c'est toi qui as la victoire sur toutes choses. Tu as la victoire maintenant. Tu auras la victoire demain. Tu auras la victoire encore le surlendemain. Tu as eu la victoire hier. Tu auras la victoire aujourd'hui. Tu auras la victoire demain. Tu auras encore la victoire pour l'éternité. Alors je te bénis. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Alors que tu es en train de dire merci, bien-aimé, tu peux donner une offrande. Tu peux aimer la vidéo. Tu peux faire quelque chose. Dis tout simplement merci. Merci pour la victoire. Dis-le avec foi, car tu as
Tu as reçu la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire. Le Seigneur t'a donné la victoire ce soir. Tu as la victoire ce soir. Tu as la victoire ce soir. Il n'y aura plus de fausses couches dans ta vie. Le Goliath est déjà tombé. Au nom puissant de Jésus. Tu as la victoire ce soir. Tu n'auras plus du mal à trouver un travail. Tu donneras ton CV. Le travail, tu l'auras car le Goliath est tombé ce soir. Au nom puissant de Jésus. Oh oui, le Seigneur te donne la victoire. Il te donne la victoire. Merci Seigneur pour l'exaucement. Merci pour la victoire. Merci pour tes enfants. Merci pour la tour de prière semeur. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, pour la tour de prière semeur. Merci pour la victoire que tu accordes à tes enfants, que tu donnes à tes enfants, que tu donnes aux familles. Merci Seigneur, ô Dieu de gloire, car ceux qui te craignent, tes enfants qui te cherchent nuit et jour, ont sur eux le sceau du sang de Jésus. Le sceau du sang de Jésus qui fait fuir l'ange de la mort, qui détruit Goliath. Merci pour la victoire. Merci tendre Père. Père de gloire, je prie maintenant. Je prie pour cette nuit. Seigneur, je te prie de garder, de protéger, de préserver tes enfants en cette nuit. Et que cette nuit soit une nuit encore de grâce, une nuit de victoire, une nuit de révélation. Dans leur sommeil, Saint-Esprit, parle-leur, montre-leur les choses cachées. Seigneur, ouvre les yeux à ceux qui ont besoin de voir, de comprendre les choses qui arrivent dans leur vie. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui n'arrivent pas à rêver. Je viens ouvrir le rêve, je viens ouvrir le monde des rêves maintenant au nom de Jésus. Je viens ouvrir l'écran des rêves dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Toi qui ne rêves plus depuis longtemps, que l'écran des rêves s'ouvre pour toi dans le nom puissant de Jésus. Toi qui ne rêves plus, que l'écran des rêves s'ouvre pour toi au nom puissant de Jésus. Toi à qui on a dit que tu n'auras plus jamais d'enfant parce que Goliath avait tenu. La médecine ne peut pas voir Goliath. Je déclare maintenant que tu vas avoir des enfants et des jumeaux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi sur qui on avait envoyé des malédictions, on a prononcé des malédictions contre toi. À minuit, on a prononcé des malédictions contre toi très tôt le matin. Je viens détruire cela par le sang de Jésus et je déclare que tu es béni. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la victoire de Christ soit sur vous comme un vêtement de la tête à la plante de vos pieds, dans le nom puissant de Jésus, que la victoire de Christ soit votre partage au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Soyez bénis et que votre nuit soit glorieuse, soit bénie, une nuit glorieuse, une nuit bénie, une nuit de révélation. Une nuit de bénédiction, une nuit de faveur dans le nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur vous visite cette nuit dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Tout à l'heure, nous aurons dévancé l'aurore à 4h30. Amen. Nous aurons notre prière matinale. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas si vite. Aimez la vidéo. Nous sommes plus de 920 personnes. Nous sommes, 920, un peu plus. Amen. Alors, aimez la vidéo, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Soyez un sycomore pour quelqu'un et aussi partagez, invitez quelqu'un à regarder cette vidéo. Ça peut lui être salutaire. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, alors cette semaine, il y a pas mal de programmes. Le mercredi, pour ceux qui veulent apprendre la parole de Dieu, Janitech soit béni. Et Janitech soit béni, je t'attends à l'église, je t'invite. Je t'envoie une invitation spéciale, El Janitech. Je t'attends à l'église, le pasteur aussi t'attend à l'église, les frères et sœurs t'attendent aussi à l'église. Que le Seigneur te bénisse, on t'attend à l'église. À Corbeil-Essonnes, sois béni. Alors, j'aimerais vraiment ici inviter ceux qui veulent apprendre la parole. Vous voulez grandir dans la parole. Donc, mercredi à partir de 19h, je donne les cours bibliques Amen à l'église. Alors, ces cours bibliques seront aussi en direct sur l'autre chaîne YouTube de la Tour de Prière Semeur. On a une autre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien sûrement demain soir. Comme ça, vous vous abonnez là-bas. Sur la deuxième chaîne, c'est là-bas qu'il y aura le direct des cours bibliques. Donc, si vous voulez être baptisé, il faudra suivre ces cours bibliques. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, suivez à distance. Mais pour ceux qui peuvent se déplacer, soyez sur place parce que vous aurez les documents aussi qui vont aller avec les documents des cours, etc. Donc, pour ceux qui veulent se faire baptiser, ceux qui veulent grandir dans la parole, ceux qui veulent connaître Christ parce que nous devons connaître Christ, alors soyez là le mercredi à Corbeil-Essonnes. Voilà, là je fais avec un autre logiciel, je n'ai pas l'adresse ici. L'adresse défile. Vous avez l'adresse qui défile dans la bannière ici. Voilà. Venez à Corbeil-Essonnes. Donc, le mercredi, à partir de 19h, on aura juste une heure pour
nos cours bibliques, nos cours d'affermissement. C'est très important de connaître le Seigneur, de connaître les détails, comment a été faite la Bible, d'où vient la Bible, connaître Christ, connaître les rudiments de la foi, c'est quoi être croyant. Voilà, connaître toutes ces choses, c'est qui Jésus, comment on le sert, comment le cœur d'un croyant doit être, connaître l'éthique chrétienne, l'éthique des enfants de Dieu, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi une éthique. Amen. Connaître l'éthique chrétienne, comment grandir dans la foi. Alors venez prendre ces cours-là, ça va vous faire vraiment du bien. Mercredi à 19h à Corbeil-Essonnes au 1 rue Fernand Reynaud, 91100 Corbeil-Essonnes à 19h, nous sommes là-bas. Si vous voulez vous faire baptiser, voyez les modératrices, donnez votre nom, comme ça on vous met dans la liste des prochains baptisés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, voilà pour le programme donc ce mercredi. Et nous allons aussi reprendre la chambre haute. Bon, ça, j'en parlerai un peu pour les concernés. Nous allons recommencer la chambre haute. On va reprendre la prière. Amen pour la chambre haute. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ceux qui connaissent la sœur Jade, essayez de l'appeler Jade Géraldine. Elle a perdu sa petite sœur. Donc, appelez-la. Encouragez-la. Soyez avec elle. Amen. Elle est l'enfant de la maison. Donc, soyez avec elle. Si vous avez les coordonnées, si vous avez besoin de coordonnées, demandez, on va vous donner, comme ça vous allez l'appeler et puis vous allez parler avec elle. Donc n'oubliez pas que les cours bibliques seront faits sur, les cours d'affermissement, pardon, seront faits sur l'autre chaîne pour pas trop saturer la chaîne, cette chaîne-là. Comme il y a des vidéos qui viennent, ça couvre beaucoup les, ça couvre beaucoup, beaucoup d'autres vidéos, ça passe très très vite. Donc là-bas, comme ça, ça reste, vous avez la possibilité de revoir et de revoir et de revoir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, je vous souhaite une excellente nuit. Soyez bénis, n'oubliez pas d'appeler la sœur Jade, Géraldine, de lui donner un petit mot d'encouragement. Amen, pour qu'elle soit fortifiée. Que le Seigneur vous bénisse, donc je vous dis à tout à l'heure. Soyez bénis. Ciao, ciao.
Toi, je ne peux rien, que ta gloire descende en moi. Délivre-moi par ta gloire, des heures qui m'éloignent de ta présence, afin que ma vie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de Prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.